Salut à tous et bienvenue dans ce premier vlog. Alors je sais que j'ai pas l'habitude de faire ce format de vidéo, mais je trouvais que ça change. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo très spéciale et assez chargée, puisque je vais partager avec vous ma sortie Porsche. Donc il y aura beaucoup de voitures, GT4, 991, enfin je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Mais avant ça il faut aller déjà chercher la voiture de la journée, la 991 Carrera 4S. Ah, le mec qui s'écoute quoi, le mec qui s'aime, tiens filme-moi. C'est pour les souvenirs ça. Donc pour cette sortie on a la 718 Cayman GT4, la 991 Carrera 4S la nôtre, la 981 Boxster S et il y a une 991 GT3 RS phase 1 qui arrive que vous connaissez également. Donc là ça y est, on a fait le plein avec les voitures et puis on va aller en direction du lac du Bourget. Le temps est doux, on est parfait, donc pour être en cabrio, c'est le top du top. Parti dans le tunnel. On vient juste d'arriver au restaurant Le Belvédère, donc au-dessus du lac d'Aix-les-Bains. C'est vraiment magnifique, je vais vous montrer la vue. Mais là j'en ai profité pour sortir afin de vous faire un petit tour des voitures, histoire de vous montrer avec quoi on roule aujourd'hui.
Ici, nous avons la 981 Boxster S. Ici, la 991 Carrera 4S, donc un flat 6 de 3 litres 8, 400 chevaux, celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Ici, la 718 Cayman GT4, que vous connaissez déjà à travers ma vidéo. Et enfin, ici, la 991 GT3 RS. Au niveau des puissances, la GT3 RS, elle a 500 chevaux parce que c'est une phase 1. La GT4, elle en a 420. La 991 4S, elle en a 400 parce que c'est une phase 1. Et la 981 Boxster S, elle en a 315. Donc si j'ai choisi cette voiture, c'est parce qu'elle est hyper polyvalente, que c'est une 4 roues motrices, et comme c'est une 4 roues motrices, il y a plus de poids, ce qui fait que du coup le train avant est très bien mené, très précis, on n'a jamais l'impression de le perdre, elle est très à l'aise en courbe, et en plus elle a une sonorité incroyable. Et après un bon restaurant, un truc qui est vraiment cool après une bonne balade en Porsche, c'est d'aller profiter du bord de l'eau. C'est vraiment super beau et super agréable, mais il me tarde de reprendre la route. Petit vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez suivre LG Motorsport sur les réseaux sociaux et également me suivre sur mon Instagram qui d'ailleurs est affiché juste en bas dans la description. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.